Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver en ce jeudi dans une nouvelle vidéo 5 astuces que toutes les filles devraient connaître. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne, je sais pas si je recommencerai, dites-moi si ça vous plaît. En tout cas aujourd'hui je vous propose 5 astuces que j'utilise régulièrement. Je pense qu'elles sont plus ou moins connues, j'espère en tout cas que je vous en ferai découvrir certaines. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce positif sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager sur YouTube et suivre mes nouvelles vidéos. Et on commence tout de suite avec les 5 astuces. Alors l'astuce numéro 1, c'est de vaporiser de la laque sur vos épingles à cheveux avant de les mettre dans les cheveux. Comme ça, elles accrochent beaucoup mieux et elles permettent de ne pas glisser dans la journée. Je pense qu'on a toutes connu ouais, ce problème où on a l'épingle qui glisse, donc ça résout tout, ça tient super bien. L'astuce numéro 2, c'est de mettre du vernis transparent dans vos bagues pour pas qu'elles déteignent, pas qu'il y ait du verre voilà, sur vos doigts, c'est vrai que c'est gênant. Et du coup, quand vous mettez du vernis transparent dessus, elle ne laisse aucune trace. Et le vernis transparent, vous pouvez également le mettre quand vos collants commencent à s'effiler pour éviter qu'ils ne s'effilent encore plus. C'est vraiment une utilisation du vernis que j'utilise très régulièrement. L'astuce de fille numéro 3, c'est un peu spécial, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais ça marche vraiment, donc je vous le dis. C'est pour ne pas que vos collants glissent, parce que moi ça m'arrive tout le temps quand je mets une robe ou une jupe. Dites-moi si vous aussi ça vous arrive que les collants glissent. Et pour les remettre, ben, c'est pas très élégant, on est obligé d'aller aux toilettes, de faire ça discrètement. Donc la technique c'est donc de mettre d'abord vos sous-vêtements habituels, de mettre vos collants par-dessus et de remettre par-dessus un bas de sous-vêtements, donc peu importe ce que vous mettez, culotte, string. Et du coup ça permettra de bloquer le collant et il ne descendra pas. Quatrième astuce, c'est pour donner l'impression d'avoir des cheveux beaucoup plus longs, c'est de faire une queue de cheval habituelle et d'en faire une plus basse pour donner l'impression d'avoir une plus grande longueur de cheveux. Ça change tout, on dirait que vous avez posé des extensions alors que ça se fait en 2 minutes chrono et c'est vos cheveux. Et cinquième astuce, c'est pour faire sécher votre vernis plus vite, parce que moi je sais que quand je mets du vernis après, voilà, je peux plus rien faire, je bouge pas, je souffle dessus, j'attends, je peux plus rien faire. Donc l'astuce c'est de plonger les doigts dans un verre d'eau froide et de ressortir les doigts et ça sèche beaucoup plus vite de cette façon. Moi je connaissais déjà l'astuce en les mettant sous un filet d'eau froide mais je trouve que c'est encore mieux les plonger dans un verre d'eau froide directement. Voilà, c'était une vidéo très courte avec plein d'astuces, que ce soit mode, beauté, j'espère vraiment que ça vous a été utile. Dites-moi tout ça dans les commentaires et n'hésitez pas à partager vos astuces dans les commentaires, que je puisse en découvrir des nouvelles, ça me ferait plaisir. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Cette très courte vidéo est terminée et je vous retrouve jeudi prochain avec une nouvelle vidéo. À bientôt. Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful.